Ce matin, au lycée Léonard de Vinci, les élèves sont encore sous le choc. Ce week-end, trois de leurs camarades ont été tués dans une explosion. Robin, le quatrième adolescent qui se trouve lui aujourd'hui entre la vie et la mort, est scolarisé ici. Ses camarades n'arrivent toujours pas à y croire. Ils s'entendaient bien avec tout le monde. C'est mes amis d'enfance, du coup je les connais bien. J'ai passé mon enfance avec eux et quand j'ai appris, c'était dramatique, quoi. C'était des personnes géniales, elles s'embrouillaient avec personne, toujours le sourire. C'est terrible de perdre des amis comme eux. Adeptes d'un jeu de simulation de combat, les quatre adolescents auraient tenté de se fabriquer des fumigènes. Ils étaient scolarisés dans trois établissements de la région. Une cellule de crise a été ouverte pour soutenir les élèves et leurs professeurs. Aujourd'hui, l'objectif est de réunir l'ensemble des experts que nous avons au niveau départemental pour décider ensemble, dans le cadre de la cellule de crise que nous mettons en place, quel accompagnement nous allons proposer aux enseignants, aux équipes pédagogiques et bien sûr aux élèves pour pouvoir leur expliquer, pour pouvoir les accompagner. Une enquête a été ouverte pour déterminer la cause précise de la mort des trois adolescents. Hier, une marche blanche pour leur rendre hommage a réuni plusieurs milliers de personnes.